Nous avons toujours dans nos institutions, dans nos structures, des artistes qui sont discrètement cachés parfois. Et c'est toute la valeur d'une structure comme une institution, comme la Chambre de commerce, d'avoir en son sein des gens qui ont des aspirations, qui ont des talents et qui montrent aussi un chemin de convivialité, de lien entre des différentes personnes qui composent une institution comme la nôtre. Je suis ravie, alors je vais représenter la mairie de Pau et en même temps la Blo. Je voudrais d'abord saluer l'œuvre de Patrick de Stampa parce que c'est lui aussi qui a ouvert la CCI, donc une entreprise à l'art, qui a fait que ces deux mondes qui étaient autrefois très distants l'un de l'autre se sont rapprochés. Alors pour en revenir à notre artiste de ce soir, j'ai eu dans tout loisir de regarder ses œuvres. On trouve la patte de l'artiste, et cette patte je la trouve très délicate, très, très raffinée, très féminine, avec des atmosphères très différentes. La peinture est venue à moi très récemment, il y a quelques années, suite à une immobilisation qui a fait que j'avais besoin d'une occupation, d'un exutoire. Et j'ai trouvé la peinture. Aujourd'hui, la peinture pour moi c'est un moyen d'expression. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement riche qui me permet de libérer toutes mes émotions. Et voilà. Je suis ravie de partager ça avec vous et merci de votre accueil à tous. Merci.